retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo unboxing, tout simplement parce que c'est une vidéo en collaboration avec le site Manga House. Donc en fait, si vous connaissez pas Manga House, je vous mets juste ici en même temps que je parle une capture vidéo d'écran qui vous montre un petit peu comment est l'interface du site. Donc ils m'ont envoyé une figurine pour que je puisse tester donc la qualité de leur envoi, de leur figurine, etc. Donc on va déballer la figurine, comme vous voyez, hop, elle est ici. Et je vous donnerai toutes les informations à la fin. Juste une chose, il faut savoir que Manga House est un site français. Donc il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les envois sont avec suivi si vous le demandez, ou ils vous le donnent directement selon le transporteur que vous le sélectionnez lors de la livraison. Les frais de port sont offerts à partir de 100 € d'achat et c'est à peu près ce que font tous les sites de figurines, parce que avec deux figurines en fait t'as largement tes 100 € la plupart du temps. Sinon les frais de port sont environ 6,20 € selon la figurine, mais là j'ai pris pour la taille de celle-ci. Donc en même temps que je pars, je vais ouvrir. Donc c'est fait par des Français et ils sont tout nouveaux en fait. Ils sont tout nouveaux c'est un tout nouveau site, tout neuf. C'est des produits de licence officielle, donc c'est-à-dire qu'ils travaillent avec Bad Presto et Abby Style. Abby Style, c'est un site où il y a tous les produits de licence en fait officiels, mais Abby Style c'est plus dans les produits dérivés, donc tout ce qui est t-shirt, mug, porte-clés, verre, les trucs comme ça. Donc pour les goodies, ils sont partenaires d'Abby Style, et pour les figurines, donc il y a tout, il y a les Figma, il y a les Bandai, il y a les Ban Presto, ce sont tous des produits officiels. Je suis en train de réfléchir à comment je vais ouvrir ça, les gars. Oh, c'est super bien emballé. Alors attendez. Bon, j'ai réussi à ouvrir ce fichu carton. Donc, comment ça se présente à l'intérieur? Comme vous pouvez le voir, c'est hyper bien emballé. Il y a du papier bulle partout. La figurine, elle est calée. Franchement, rien à dire là-dessus. Donc, vous voyez, enfin, hop, du papier, encore du papier. Voilà, votre figurine, elle risque pas d'être abîmée, les gars. Hop. Et il y en a encore au fond. Et la figurine est emballée également. Mais la boîte, elle est nickel. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a encore du papier. Bon, après, voilà. C'est vide. Donc, je disais, la figurine est hyper bien emballée. Il y a du papier bulle tout autour. Je pense pas avoir besoin de ciseaux, là. Enfin, comme vous pouvez le voir. Hop là. Donc, voilà comment ça se présente. Donc ils m'ont gentiment envoyé. Alors désolé, il y a mon chat. Donc la figurine était emballée encore une fois dans une couche de papier bulle pour vous montrer à quel point c'est protégé en fait. Donc ils m'ont envoyé Boa Hancock de Ben Presto donc, et One Piece. Et c'est dans la catégorie Glitter and Glamour Christmas Style. Donc c'est pour la collection Noël, j'imagine, et c'est la version rouge, parce que il y a deux versions. T'as la version rouge et blanc et t'as la version rouge et jaune, et moi j'ai rouge et blanc parce que c'est celle que je préférais. Donc je vais ouvrir ça avec vous et on se retrouve juste après pour faire un petit avis sur la qualité de la figurine. Bon, on se retrouve une fois la figurine montée, et honnêtement elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Donc, elle est vraiment très très belle. Il y a les petits détails sur la fourrure, là. Le blanc, la cape blanche est vraiment pas mal. Hop. Au niveau du visage, c'est très très bon. Ici aussi. Comme vous pouvez le voir, la figurine est montée. Elle est vraiment très très grande. Pour vous faire une comparaison, je vais vous prendre la figurine de Milim qui fait 25 cm, et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même taille, enfin à peu près. Ouais, celle de Boa est un peu plus grande, je trouve,
Mais bon, donc vraiment très belle figurine celle-ci. Je vous retrouve tout de suite avec des close-up pour que vous puissiez bien voir à quoi elle ressemble. Et honnêtement, bah, elle est de très très bonne qualité, il n'y a pas eu de souci. Donc comme vous pouvez le voir, tout simplement le colis est arrivé super vite. Enfin, ça arrive entre 2 et 7 jours, ce qui je trouve est pas négligeable. Et c'est à peu près pareil sur tous les sites, il me semble, sauf si bien évidemment vous commandez directement du Japon, là ça met plus de temps. Et là, vous avez directement les figurines chez vous en à peu près moins d'une semaine. La qualité de la figurine est nickel, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai rien à dire franchement. La boîte est bien protégée, comme vous avez pu le voir, il y a masse de protection, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il faut savoir que... donc j'ai mon petit carnet où je me suis noté de quoi je devais parler en fait. Et il faut savoir que les produits sont vraiment des produits officiels. C'est-à-dire que contrairement à certains sites dits français où les gens achètent des figurines sur AliExpress ou quoi autre, là c'est des partenaires officiels de Banpresto. Ils s'affichent comme quoi les figurines sont Banpresto. Il y a des produits du site Abbeystyle comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais de toute façon, je vous redirai tout ça à la fin avec le listing complet. Et en attendant, je vous laisse avec le close-up de la petite figurine de Boa Hancock. Donc, mon avis sur ce site, eh bien, je suis agréablement surprise. Tout simplement parce que, déjà, c'est arrivé hyper vite, comme vous voyez. Il y avait vraiment tout. Genre, même le fond était protégé. Et pour vous, c'est peut-être rien, mais bien souvent, les sites oublient de protéger bien comme il faut les figurines. Et je trouve ça dommage parce que quand t'es un site où tu vends des figurines, tu sais que c'est plutôt fragile et que donc il faut y faire attention. Donc la gamme de prix est raisonnable, honnêtement c'est les prix officiels en fait. Tu vas au Japon, tu auras les mêmes prix. Donc la figurine de Boa Hancock, il me semble qu'elle est d'une valeur entre 30 et 40 euros. Je suis pas sûre, je vous mettrai le prix par là ou par là, je sais jamais où. Je vous mettrai dans le petit i un lien vers leur site. Et en barre d'infos, je vous mettrai le lien de cette figurine. Il me semble avoir tout dit. Il faut savoir que c'est un site qui débute. Donc pour l'instant, ils sont pas vraiment très très connus. Je vous laisse donc juste ici une capture d'écran de leur réseau social. Il faut savoir qu'ils sont très réactifs. Donc si vous avez des questions sur telle ou telle figurine, allez voir. Pour le moment, ils n'ont pas énormément de stock. Donc il y a des figurines qui vont arriver, notamment de plusieurs licences, Black Clover, Sword Art Online, Fate, que j'adore. Et pour le moment, il y a du One Piece, du Naruto, du DBZ. Donc, ce qui explique la figurine de One Piece. À quoi vous dire, à part que moi, ça a été plutôt une bonne expérience avec eux. Ils sont très très gentils. Et contrairement à d'autres gros sites, je trouve qu'ils sont vraiment très très réactifs. Donc, c'est vraiment un gros gros point positif. Et je vais essayer de voir, de vous présenter peut-être une fois par mois. Une figurine, une nouveauté qui sort en France et je vais vous faire une série sur plusieurs sites. Mais pour l'instant, Manga House, qui est un petit nouveau donc dans l'univers un petit peu de la figurine, un petit peu des figurines, de licences, des produits dérivés en fait manga, eh bien je trouve qu'ils se débrouillent très bien et franchement, allez jeter un coup d'œil à leur site. Alors encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude parce que là on est plus axé sur figurines, mais vous inquiétez pas, le critique manga arrive bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais ça vous dit que je vous fasse un prochain volume sur ce site pour que vous ayez d'autres informations sur d'autres licences ou quoi autre, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis donc à la prochaine dans une nouvelle vidéo.